Je suis membre avec mon épouse au campus de Laval parce que, oui, l'église de Portail, c'est une église représentée sur quatre sites. Le site de Laval, Terrebonne, Saint-Eustache, Abitibi également. Et pour Pâques 2023, on compte ouvrir un nouveau site à Montréal-Nord, si Dieu le veut. Et notre mission est simple au portail, aider tout le monde, tous les Québécois à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Si tu nous découvres ce matin et que tu désires en savoir plus, je t'invite à visiter notre site internet à églisesleportail.com ou aller fouiner un peu sur notre page Facebook afin de connaître les différentes heures de réunion, les adresses de nos sites. On serait vraiment content de te recevoir un beau dimanche matin dans une de nos églises, dans un de nos sites. C'est ouvert à tous. Et en plus de ça, notre église offre différentes activités durant la semaine et durant la fin de semaine, bien sûr. On a le service clic le dimanche matin pour les enfants, où les enfants vont recevoir un un enseignement adapté pour tous les âges. Ils vont pouvoir cliquer avec Jésus, avec leurs amis On a le ministère accès pour les ados, ministère euh, portail jeune adulte pour les jeunes adultes, les vendredis soirs à 19h30 au site de Laval. Ce sont des soirées amicales, festives, énergiques, inspirantes. Donc, gênez-vous pas pour venir faire votre tour. Pour avoir un peu plus d'informations, vous pouvez consulter leur page Facebook respective. On a aussi des petits groupes qui se réunissent chaque semaine dans les maisons afin de prier, partager, ouvrir la parole de Dieu ensemble. Pour connaître où se situe un groupe, peut-être près de chez vous, écris-nous à, à égliseleportail.com. Et bien évidemment, dans toutes ces activités-là, notre but central est celui de proclamer, d'enseigner la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est ce qu'on s'apprête à entendre à l'instant ce matin dans le message d'aujourd'hui. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos esprits à recevoir la parole de Dieu. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette prédication de l'Église de Portail. Troisième message de cette série qui se nomme Ton année est prédestinée. Ça veut dire que notre Dieu est destiné d'avance des bénédictions pour ses enfants en 2023. Donc, si tu es un disciple de Jésus, Dieu a préparé des bénédictions d'avance pour ta vie en 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que présentement tu es dans un désert. Peut-être que tu veux une épreuve, peut-être que les temps sont difficiles, peut-être que tu poses la question mais où est Dieu euh, Est-ce que Dieu m'a abandonné Est-ce que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ma vie Et un jour un homme est perdu dans le désert, il est assoiffé, ça fait plusieurs jours et il trouve une petite cabane. Et dans la petite cabane, il y a une pompe et il y a une note. Et voici ce qu'il est écrit. Cette pompe date de juin 1932 et fonctionne encore. Donc, le washoe, la rondelle à l'intérieur a séché et la pompe doit maintenant être pompée manuellement. Sous la roche blanche, à l'extérieur, j'ai enterré une bouteille d'eau à l'abri du soleil. Et il y a assez d'eau pour amorcer cette pompe, mais pas si vous buvez de l'eau en premier. Versez environ un quart de la bouteille dans la pompe. Et laissez le mécanisme tremper un peu. Versez ensuite rapidement l'eau restante et commencez à pomper. Vous aurez de l'eau. Le puits ne s'est jamais tari. Ayez la foi. Quand vous aurez bu, remplissez la bouteille à nouveau et remettez-la comme vous l'avez trouvée pour la prochaine personne. Si nous sommes prêts à sacrifier un peu d'eau, le peu d'eau que nous avons, nous pouvons obtenir toute l'eau que nous avons besoin. Et pour ta vie en 2023, Dieu a préparé toute l'eau dont tu as besoin. Tu ne manqueras pas de ressources spirituelles en 2023. Dieu est avec toi. Dieu va pourvoir à tes besoins. Dieu va te diriger. Dieu va te conduire. Dieu va te donner la sagesse. Dieu va t'éclairer. Dieu va te donner sa grâce, son Saint-Esprit suffisant. Pourquoi? Parce que ton année est prédestinée. Dans l'éternité passée, Dieu a préparé de l'eau, a préparé des ressources, a préparé des bénédictions pour ta vie. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et quand on regarde la parole de Dieu au mot prédestiné, on se rend compte que on est prédestiné à quelque chose de très très précis. Premièrement, nous sommes prédestinés en 2023 à glorifier Jésus. La Bible nous dit dans Éphésiens 1:11 que Dieu nous a prédestinés pour célébrer Sa gloire. On a vu également que nous sommes prédestinés en 2023 à ressembler à Jésus. Donc, Dieu nous a prédestinés dans l'éternité passée, le but ultime de Dieu pour l'éternité. C'est de glorifier Jésus, mais c'est aussi de ressembler à Jésus. Et dans le plan de Dieu, 2023, évidemment, n'est pas laissé au hasard. Et aujourd'hui, nous allons voir que Dieu nous a prédestinés à persévérer pour Jésus. Maintenant, en tant que pasteur, ça fait 25 ans que je suis pasteur, ça fait plus longtemps que je suis chrétien, et j'en ai vu du monde passé. J'en ai vu des étoiles filantes. J'en ai vu des gens arriver dans des églises, euh, briller intensément pendant un temps, puis disparaître après quelques mois, quelques années. J'en ai vu des pasteurs, des pasteurs avec du charisme, avec des dons, des pasteurs qui sont à la saveur du mois, qui, qui brillent intensément, intensément. Tout le monde parle d'eux pendant un temps et après ils disparaissent. Maintenant, mon ami, Jésus ne t'a pas sauvé pour être une étoile brillante. La seule étoile du royaume de Dieu, c'est Jésus. Jésus. Ouais, Quelqu'un devrait dire Amen. Donc, ne sois pas une étoile filante, sois une veilleuse. Un chrétien n'est pas celui qui brille intensément, momentanément, c'est quelqu'un qui brille humblement pendant longtemps et même éternellement. Là, ta petite veilleuse à la maison, fidèle la nuit, c'est comme elle éclaire humblement, mais elle fait son boulot, elle fait ça à quoi elle a été créée. Et mon ami, tu n'es pas une étoile filante, tu es une veilleuse. Et pour remplir ce ministère de veilleuse, pour être un chrétien qui euh, éclaire dans les ténèbres jusqu'au bout, tu as besoin de persévérance. Jésus a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, ça n'a d'aucune utilité. Si tu es allé pendant trois ans, tu as la foi qui déplace les montagnes, tu jeûnes, tu pries, tu chasses les démons, tu fais des guérisons et tu te perds, tout ça est vain. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le pouvoir du chrétien, c'est la persévérance. Et Dieu t'a prédestiné à persévérer. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. La persévérance, c'est la chose la plus difficile de la vie chrétienne. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si aller aux Olympiques était facile, j'aurais été. Si euh, avoir un mariage en santé était facile, il n'y aurait pas de divorce. Si euh, économiser était facile, tout le monde le ferait et les cartes de crédit n'existeraient plus. Euh, si c'était facile, si facile d'avoir un diplôme, tout le monde aurait huit doctorats. Euh, si la vie chrétienne était facile, tout le monde serait chrétien. Mais non, la vie chrétienne n'est pas facile, mais c'est la meilleure des vies. Et tu as besoin de persévérance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est chrétien, on a deux défis. On a de l'opposition extérieure et de l'oppression intérieure. Et nous allons regarder dans la parole de Dieu, donc ouvrez avec moi dans Acte 4, où on voit l'Église primitive, on voit les premiers chrétiens qui doivent apprendre la persévérance. Ils s'appuient sur, sur cette vérité que leur Dieu les a prédestinés à persévérer. Pourquoi tu as besoin de persévérer? Parce qu'il y a des oppositions qui vont vouloir... Arrêtez, ils vont t'empêcher de suivre Jésus. Vous savez, on est dans un monde, un monde qui évolue rapidement, pas toujours pour le mieux. Et maintenant, on est rendu à condamner la prière des chrétiens. Je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais en Angleterre, la semaine dernière, il euh, y avait y une soeur, une dame qui, qui y a une clinique d'avortement. L'idée, ce n'est pas de parler de l'avortement, c'est juste de. Elle est là, elle est juste sur la rue. Puis à un moment donné, là, un policier la voit et il dit euh, Est-ce que vous êtes une chrétienne? Elle n'a pas de pancarte, elle ne parle pas, elle ne dit rien. Elle est juste là. Puis elle lui dit ben, Oui, Oui, c'est pas un crime d'être chrétien. Puis je peux être chrétienne puis être devant une clinique d'avortement, c'est pas interdit. Il dit Oui, mais est-ce que vous priez dans votre tête? Est-ce que vous priez dans votre cœur? Elle dit ben, je suis une chrétienne. Oui, ça se pourrait que je prie dans mon cœur. Elle est arrêtée. Elle a été arrêtée parce qu'elle a prié dans son cœur, dans un lieu public. En Australie, il y a des lois qui empêchent les chrétiens de prier pour certaines choses. Et il y a 2000 ans, l'Église primitive, on leur interdisait de prier Jésus, de parler de Jésus, de prêcher Jésus. Donc, ça n'a pas changé. Et le problème, souvent, ce n'est pas seulement l'opposition extérieure, c'est l'oppression intérieure. Peut-être que tu vis une épreuve, peut-être que tu as vécu une chute et tu n'as pas la force de continuer. Et tu as besoin d'entendre ce message et de comprendre que Dieu t'a prédestiné à persévérer. Ce que je constate, la majorité des chrétiens abandonnent, non pas à cause de l'opposition extérieure, mais majoritairement à cause de l'oppression intérieure, Alors, à cause d'un problème intérieur. Si ton problème est intérieur, la solution doit être intérieure. Et nos pères dans la foi parlaient de ce qu'on appelle les moyens de grâce. C'est quoi un moyen de grâce? Un moyen de grâce... C'est des moyens extérieurs ordinaires, pas sensationnalistes, donc par lesquels Christ applique les bienfaits de la rédemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus te donne le salut, mais tu as la responsabilité de l'entretenir. Jésus t'a sauvé, mais tu as la responsabilité de persévérer. Vous savez, c'est comme un parent qui donne une voiture à son enfant. Tu lui donnes la voiture. Et tu lui dis, ta responsabilité, c'est de payer pour l'essence, c'est de mettre l'essence. Je te donne la voiture, je ne mettrai pas l'essence. C'est un bon deal. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Dieu te donne une BMW. Dieu te donne une Porsche, une Ferrari, bon, une Tesla, ou peu importe. Maintenant, Dieu te demande de mettre l'essence. Et comment est-ce qu'on met l'essence? Parce qu'une voiture sans essence, c'est une voiture qui persévère pas. Un chrétien sans essence, c'est un chrétien qui persévère pas. Et tu as besoin de, de t'entretenir, tu as besoin de mettre de l'essence, tu as besoin de nourrir, d'alimenter ta persévérance. Et c'est ce qu'on va voir dans le texte biblique. Où le peuple de Dieu était persévérant, pourquoi? C'est par arrivé comme ma, par magie, c'est qu'ils ont entretenu, ils ont alimenté leur persévérance. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, dans Acte 4, au tout début de l'histoire de l'Église, versets 23 à 31, on va regarder à leur prière. Alors qu'il y a de l'opposition, alors qu'il y a de l'oppression, l'Église pourrait être tentée d'abandonner, de rétrograder, de reculer. Mais voici, ils vont prier pour la persévérance. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Souligne ça, c'est vraiment important. Ils allèrent vers les leurs. Et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint et de la bouche de notre, de notre Père, ton serviteur David, et là ils vont citer le psaume 2, Pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oeil. Car en vérité, quand ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et, et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Pourquoi? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient prédestiné. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, étant ta main. Pour qu'il se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu était assemblés tremblant. Ils furent tous remplis du Saint Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Wow. Et on voit ici le peuple de Dieu. Les chrétiens ont appris à utiliser les moyens de grâce, c'est-à-dire des moyens prêts, des choses que Dieu nous donne pour entretenir notre foi, pour nous rendre persévérants. Des moyens que si tu les négliges ça va être très difficile de persévérer. Et la première chose qu'on voit pour alimenter notre persévérance, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu alimente la persévérance des chrétiens. L'Église est essentielle, est un ingrédient essentiel à la persévérance des chrétiens. Regarde, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les réseaux sociaux, ils allèrent manifester. Ils allèrent faire une vidéo sur YouTube. Ils allèrent se plaindre sur, dans une ligne ouverte. Ils allèrent signer une pétition. Non. Ils allèrent vers les larves. Qui sont les tiens? Qui est ta famille? Et voici ce qui prend place ici. Ils retournent vers les larves parce qu'ils savent qu'un chrétien a besoin d'autres chrétiens. Vous savez, après la pandémie, on... Un des, des, un des grands rôles du pasteur et des pasteurs, c'est d'aller à la recherche des brebis qui se sont perdues. Et un pasteur va, va visiter un, un membre de son église qui n'est pas revenu depuis deux, trois ans. Et lorsqu'il arrive, c'est un homme âgé, puis là, il est en train de faire un feu. Puis le pasteur il dit Bon, mais rentre, pasteur. Le pasteur s'assoit à côté de lui. Pis les deux regardent le feu et aucune parole n'est échangée. Puis après de, de longues minutes, le pasteur se lève, prend le, 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 le tisonnier, prend le petit bâton de métal <laughs> et prend une bûche et la déplace vers le côté, puis se rassoit. Là, 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 là. manger, regarde, le pasteur comprend pas trop. Puis là, tranquillement, la, bleu, la bûche, elle s'éteint. Et là, à un moment donné, elle devient noire, 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 froide. Et là, le pasteur se relève, reprend le tisonnier, remet la bûche avec les autres, et s'enflamme. Et l'homme regarde le pasteur, puis il lui dit, Pasteur, j'ai compris, je serai à l'église dimanche. Pourquoi est-ce que nous sommes à l'église à tous les dimanches? Parce que nous savons que hors du corps de Christ, un chrétien s'éteint. Je n'ai jamais vu un chrétien persévérer avec puissance hors de l'église locale. L'Église locale, c'est pas un devoir, c'est un privilège. Et semaine après semaine au portail, que ce soit en Abitibi, je vous salue d'ailleurs, que ce soit à Terrebonne, à Saint-Eustache, bientôt à Montréal-Nord, que ce soit à Laval, pourquoi est-ce qu'on se réunit? On aurait tellement d'autres choses à faire. Nous le faisons parce que nous avons besoin de se de s'assembler pour entretenir le feu, pour persévérer. Et une fois par semaine, c'est pas trop. Et si tu es un chrétien irrégulier, puis je ne te condamne pas, c'est pour ton âme. Beaucoup de chrétiens qui vont à l'église une fois, par deux semaines, par trois semaines, une fois par mois, tu vois. Mon ami, tu ne peux pas être en feu pour Jésus avec ce style de vie. Et quand on voit des chrétiens rétrograder, la première étape, c'est toujours d'abandonner l'église. Donc, comme moyen de grâce, Dieu nous a donné l'Église des autres chrétiens. Et c'est une joie de se réunir à chaque dimanche parce qu'avec les uns les autres, nous brûlons pour Jésus. Quelqu'un devrait dire Amen à la maison. Et l'Église primitive, vous le savait, si c'est bon pour eux, c'est bon pour nous. Et le verset 24, lorsque l'Église est réunie, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent... Maître, que toi qui as fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, je vais arrêter ici. La deuxième chose, la prière. La prière alimente ta persévérance. Mon ami, si tu es un enfant de Dieu et que tu ne pries pas, tu te coupes d'un aliment, d'un ingrédient qui nourrit ta persévérance. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui marche par ses propres forces. Et un chrétien qui marche par ses propres forces, c'est un chrétien qui s'épuise. Puis un chrétien qui s'épuise, c'est un chrétien qui abandonne. Et Dieu nous a donné un merveilleux instrument qui est la prière pour justement faire en sorte que nous ne dépendons pas de nos propres forces. Donc la prière alimente notre persévérance. Et l'Église ne sait alors que l'Église pourrait abandonner. Qu'est-ce qu'ils font Non seulement le peuple de Dieu, mais la prière il y a un homme qui se présente dans un, un magasin de grande surface, Rona, Costco, peu importe, on va dire Rona, pour acheter une, une scie. Et là, il y a un jeune conseiller qui lui dit, « Bon, on a une scie qui est en rabais. » Puis il lui présente la scie, puis il dit, « Avec cette scie, vous pouvez couper 10 cordes de bois par jour. » L'homme est vraiment impressionné, donc il décide de l'acheter. Il revient en fin d'après-midi, l'homme est complètement exténué, complètement brûlé. Puis il est en colère. Puis il va voir le, le commis, puis il lui dit euh, Là, là, ça ne répond pas aux promesses, c'est que tu m'as vendu une scie. Tu m'as dit que cette scie pouvait couper 10 cordes de bois par jour. Et j'ai réussi à en faire. J'ai mis avec tous mes efforts à peine trois cordes, puis je suis complètement épuisé. Je ne suis plus capable de continuer. Le commis regarde dit, Je ne comprends pas. Donc, il, il prend la scie met la scie mécanique sur la table, fait Puis là, ça fait et là, on dit Oh, oh c'est quoi ce bruit-là? Quand tu ne pries pas, tu fais les choses par tes propres forces. C'est comme utiliser une scie mécanique sans, sans partir le mécanisme. La prière est le moteur qui te permet d'accomplir plus. La prière te permet de te décharger sur Dieu. Et l'Église persévérait parce qu'elle priait. Mon ami, la prière, encore une fois, ce n'est pas le devoir. C'est une question de survie. Alléluia. Et regarde le troisième moyen de grâce. Encore une fois, c'est l'Église qui met de l'essence dans la voiture. Le peuple de Dieu, la prière. Donc, tu as besoin de l'Église pour persévérer. Tu as besoin de la prière pour persévérer. Mais ce n'est pas tout. Regarde le premier réflexe de l'Église, verset 25. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles ajoutées, les peuples? Continue de vaines pensées, les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son, son oin. Ils utilisent la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rend persévérants. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible est un chrétien qui va avoir de la difficulté à persévérer. Pourquoi? Encore une fois, l'Église primitive comprenait que ce livre-là est la parole de Dieu. Lorsque tu l'ouvres, c'est Dieu parle. Et il y a trois choses importantes lorsque tu ouvres la Bible à chaque jour. Trois choses qui prennent place dans ta vie. Premièrement, Dieu t'enseigne la vérité. Dans un monde de mensonges, il t'enseigne la vérité. Et quelquefois, la vérité ne fait pas ton affaire. Mais j'aime mieux savoir, j'aime mieux connaître une vérité qui ne fait pas mon affaire que de rester dans l'ignorance. Hein, C'est comme je suis toujours surpris quand je me promène dans le bois, soit une marche avec mon épouse ou avec les enfants. Puis tu arrives à peu près au milieu du bois, ça fait... Une heure que tu marches et dans les belles forêts québécoises, et là, tu as un panneau. T'sais, on dit, voici tel feuille, voici tel arbre, voici tel canard. Et là, ça te dit, veuillez ne pas nourrir les ours. J'aurais aimé qu'on me le dise avant. Mais j'apprécie quand même de le savoir. Ça, ça me donne un petit stress, mais j'aime mieux le savoir que pas le savoir. Maintenant, la Bible nous dit des choses qui peut-être nous donnent un petit stress, mais mieux vaut le savoir que pas le savoir. Jésus a dit... Vous aurez des tribulations dans le monde. Donc, quand l'Église vit des tribulations, lorsque l'Église est éprouvée, le réflexe d'aller dans la parole de Dieu. Ça les rassure parce que la parole leur dit ce que tu vis, c'est normal. Ça a été annoncé. Mais la deuxième raison pourquoi les chrétiens vont dans la parole de Dieu, as-tu remarqué comment, comment ce texte-là leur révèle Jésus? Ils me dit que ce texte est christocentré. Comment ils lisent un texte, le psaume 2, puis ça, ça, ça révèle Jésus dans leur vie. Ça révèle que Jésus est ce qu'il est en train de faire. Moi, à tous les matins, à tous les matins, je lis le journal et à tous les matins, je vérifie les résultats sportifs. À tous les matins. Pourquoi? Je veux savoir qui a gagné. Maintenant, avant d'ouvrir le journal à tous les matins, j'ouvre la Bible parce que j'ai besoin de savoir que Jésus a gagné. Je ne sais pas ce qui va se présenter devant moi dans le courant de la journée, mais j'ai besoin à chaque matin de me faire rappeler par la parole de Dieu que Jésus a gagné. Et ça m'aide à persévérer parce que lorsqu'il arrive des situations, je sais qu'au bout de la ligne, Jésus a gagné. Et c'est ce que fait l'Église locale. C'est ce que font les premiers chrétiens. Et la troisième raison... Ils vont citer le psaume 2 parce que ça leur permet de s'approprier les promesses de Dieu. Et dans l'ensemble du psaume 2, ça dit que Dieu défend les intérêts de Jésus, ça défend les intérêts de son peuple. Et pour eux, non seulement de, de, de prier la parole, ça leur révèle la vérité, ça leur révèle que Jésus est vainqueur, mais ça leur permet de s'approprier les promesses de Dieu. Probablement que tu as entendu parler de cet homme qui, euh, aux États-Unis, euh, avait investi, il y avait 7000 bitcoins. Okay. Même si ça a baissé, c'est quand même beaucoup d'argent. Et euh, au niveau de la crypto-monnaie, okay, je ne suis pas un spécialiste, là, mais, mais la manière dont ça fonctionne, c'est que quand tu as, as, as ton argent, tu ta monnaie, il y a un compte, puis il y a seulement toi qui as accès à ton compte. Puis si tu perds ton mot de passe, c'est fini. Ce n'est pas comme une banque où tu peux aller demander. C'est virtuel. Donc cet homme-là avait pour 220 millions d'argent. Et là, il écrit son mot de passe sur un papier. Il a perdu le papier. Le gars a perdu le papier. 220 millions, il perd le papier. Mon ami, lui, il avait 7000 700, bitcoins. Dans la parole de Dieu, au-delà de 8000 promesses, ne perds pas le papier. Il y a trop de chrétiens qui ont perdu le papier. Il y a trop de chrétiens qui ont perdu leur Bible. Je dis non, pasteur j'ai 7 bibles dans ma bibliothèque. Je me fous que tu aies cette Bible dans ta bibliothèque. Est-ce que tu peux en prendre un puis une puis la lire? Tu as perdu la parole de Dieu, mon ami. Un chrétien qui est déconnecté de la parole de Dieu, tu fais comme ce gars-là alors que tu es riche théoriquement, tu te comportes comme un pauvre spirituellement. Puis il y a beaucoup de chrétiens. Leur problème, c'est pas qu'ils sont des mauvaises personnes, c'est un problème d'ignorance. Ils ne connaissent pas les promesses de la parole de Dieu, ils ne connaissent pas leur héritage. Ils ont un beau compte théorique, mais ils ont perdu le papier. Mon ami. La bonne nouvelle, c'est que dès maintenant, tu peux retourner à la parole de Dieu. La parole de Dieu te permet de persévérer. Elle est inébranlable. Le verset 27. Regarde. Et ça, ça va encore faire jaser. « Car en vérité, quand ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont légués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire... Tout ce que ta main et ton conseil avaient prédestiné. La prédestination était un, était un sujet de persévérance pour les premiers chrétiens. La prédestination nous fait persévérer. De comprendre le plan de Dieu pour ta vie nous rend persévérants. Et là, je veux peut-être démêler deux, trois éléments, parce que, encore une fois, même après trois semaines, il y a des gens, tu commences à assimiler ces vérités, puis ça prend du temps, puis c'est correct, sois patient. Puis il y a des choses encore, tu as la difficulté à comprendre. Et si on dit que Hérode et Ponce Plate se sont ligués, ils ont crucifié Jésus, c'est ce que Dieu avait prédestiné d'avance. Là, on dit, voyons, est-ce qu'ils sont lits? Non. Est-ce qu'ils sont des robots? Est-ce que... Hérode et Pilate ont volontairement crucifié Jésus. Pilate, euh, Judas, volontairement trahi Jésus. Mais Dieu, qui connaissait leur cœur d'avance, avait prédestiné non seulement la, la croix de Jésus, mais comment c'était pour arriver. OK, exemple. Quand j'étais au secondaire, là, je sais que vous avez, je vais vous décevoir, mais avec un de mes amis, on a décidé de faire un mauvais coup. À un moment donné, on s'est dit on va boucher toutes les toilettes de la polyvalente. Je ne connaissais pas Jésus. Et là, le problème, c'est que dans, une poly... dans notre polyvalente, il y avait quand même peut-être une quinzaine de toilettes. Et en fait, de toilettes, mais il y en avait beaucoup plus, donc probablement une trentaine. Puis on s'est dit, mais on a besoin d'avoir des gens. Donc, on a fait un plan. Puis on s'est dit, jeudi, à... tout juste avant, avant les cours d'après-midi, donc à 12h45, ce qu'on va faire... On va prendre comme 40 personnes et on va tous boucher les toilettes de toutes les en même temps puis on va tirer la chasse d'eau. Un super plan. Maintenant, quelqu'un, un de nos amis, dit Vous ne pouvez pas faire ça quand vous n'avez pas autant de gens que ça. On s'est dit Ce pas un problème. On va passer le mot on est sûr qu'on va avoir assez de volontaires. On est arrivé il y avait 50 personnes qui étaient prêtes. Tout le monde, est, volontairement, ils l'ont fait, mais là, on, on l'avait prédestiné. Pourquoi? Parce qu'on savait, on connaissait le cœur. On s'est dit, on a, je suis sûr que 50 personnes dans notre valente qui sont prêtes à faire un mauvais coup un jeudi après-midi. Et la Bible dit que l'être humain, que nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu, tu commences à savoir qu'aucun ne cherche Dieu, mais que tout le monde, il y a une expression la Bible dit Leur pied court au mal. C'est que non seulement on ne veut pas Dieu, mais par nature même. On aime le péché, puis même on est volontaire. Puis Dieu avait prévu, le Père avait prévu la crucifixion de son Fils qui était nécessaire pour notre pardon, pour notre rédemption, pour notre libération, pour notre vie éternelle. Et pour la, que Jésus arrive à la croix, ça prenait du monde qui soit volontaire pour le trahir, pour le, le vendre, le crucifier. Et Dieu savait qu'il y en avait assez. Donc, Judas est volontaire, Hérode est libre, notre ami Pilate est libre, mais encore une fois, d'une longueur d'avance. Et la bonne nouvelle pour le chrétien, c'est que si Dieu n'était pas intervenu, on le ferait aussi. Tu sais, les gens disent Moi, si j'étais dans le temps de Jésus, là, moi, moi j'aurais compris. Non. Si tu avais été dans le temps de Jésus, tu l'aurais crucifié. Si j'avais été dans le temps de Jésus, je l'aurais crucifié. La seule raison pourquoi des gens n'ont pas crucifié, c'est que Dieu a mis sa main. La seule raison pourquoi des gens, pourquoi nous croyons en lui, c'est que Dieu a mis la main sur nous. Un autre exemple que tu comprennes. Okay, imagine que j'ai cinq amis qui veulent faire un hold up. Ok, tu j'ai pas des amis recommandables. J'ai cinq amis qui veulent faire un hold up. Puis moi, je leur dis, faites pas ça les gars, faites pas ça. Ça peut mal virer, vous allez en, en, en prison. Puis ils sont libres. Je ne les force pas à faire le hold up. Puis là, ils disent, non non non, moi, les autres, on veut le faire, on veut le faire. Puis là, à un moment donné, ils, disent, ils mettent les cagoules puis ils décident de partir. Puis moi, je, non non non. Puis je m'accroche à un de mes amis puis je le retiens puis je dis, c'est pas vrai, tu vas pas y aller, tu vas pas y aller, tu vas pas y aller. Puis les autres ils partent. Les autres ils partent, ils s'en vont faire un hold up, ça vire mal, ils vont tirer, finalement ils vont tuer quelqu'un, se font arrêter, finalement ils sont condamnés pour meurtre, ils sont condamnés pour vol. Est-ce que je les ai forcés? Non. Ils l'ont fait volontairement. Est-ce que parce que j'en ai sauvé un, je suis injuste envers les autres? Non. Et c'est exactement ce que la Bible dit. La main de Dieu qui fait en sorte que Judas, que Pilate, que Hérode... Vont crucifier Jésus et la main de Dieu qui est également sur nous pour nous sauver et nous empêcher d'aller en enfer. Et quand tu regardes la parole de Dieu, la Bible dit que soumettez-vous sous la puissante main de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous croyons, dans sa prédestination, on croit que Dieu a mis sa main sur nous pour dire Va pas en enfer, je te retiens. Mais la Bible dit que je suis responsable de rester sous cette main. Je suis responsable de m'humilier sous la puissante main de Dieu. Et lorsque je le fais, c'est là que je peux dire et que c'est Jésus qui va dire Nul ne les ravira de ma main. Et ça, c'est un, un, une grande puissance de persévérance pour le croyant parce que tu sais que Dieu a un impact dans ta vie de A à Z. Concrètement, ça veut dire quoi? En fait, la prédestination, là, ça se résume à ceci. Pourquoi Dieu l'enseigne? Lorsque le pont de San Francisco. Golden Stage, je crois, a été bâti. Il euh, y a plusieurs personnes, des, des, des ouvriers qui sont tombés. Ils sont tombés et sont morts. Puis ça a fait en sorte que les autres étaient craintifs, donc les travaux avançaient très, très, très lentement parce que on avançait tranquillement parce qu'évidemment, tu as peur de tomber, tu as peur de mourir, tu te dis OK, je ne veux pas chuter. Et la crainte de la chute vraiment était, était, était pour eux, c'était handicapant, c'était paralysant. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu une idée s'est dit bien, et si on mettait un filet? Si on mettait un filet sous le pont, bien, ça permettrait aux ouvriers de travailler en toute sécurité, d'avoir une certaine assurance d'aller plus rapidement. Et quelqu'un a dit Oui, mais, mais ça coûte trop cher. Le prix est, est trop cher. Et là, ils ont fait des calculs, ils se sont dit Oui, mais peut-être que finalement, ça va être rentable parce que les travaux vont aller tellement plus vite parce qu'à ce rythme-là, on ne va jamais y arriver. Donc, pour la première fois, ils ont mis un énorme filet sous le pont. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout à coup, l'assurance a amené une persévérance. Les travaux se sont développés de manière ultra rapide, avec efficacité. Pourquoi? Parce que les ouvriers ont cessé de craindre de chuter. C'est exactement ce que la parole de Dieu dit. Il y a trop de chrétiens qui ont continuellement peur de chuter, continuellement peur de perdre leur salut, continuellement peur d'être rejetés de Dieu, continuellement peur de ne pas être pardonnés. Ce que la Bible dit, c'est que Dieu a mis un filet de sécurité sur celui qui est né nouveau, sur l'enfant de Dieu. Dieu a mis un filet de sécurité. Et c'est pour ça que tu peux avancer avec assurance. C'est pour ça qu'on peut faire la mission. C'est pour ça que malgré les épreuves, on persévère. Pourquoi? Parce qu'on sait, nous avons une assurance. C'est ce que la parole de Dieu. Et ça nous aide à comprendre les versets. Il y a plein de versets dans la parole de Dieu qui, qui nous aident maintenant à comprendre. Jude 24 dit que Dieu est celui qui peut nous préserver de toute chute. La parole de Dieu dit que Jésus... Et l'auteur de la foi est celui qui l'amène à la perfection. Euh, Éphésiens 4.30 dit que Dieu nous a scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Euh, Corinthiens 1 Corinthiens 1.8 nous dit que voici Dieu vous rendra lui-même irréprochable jusqu'à la fin. 1 Pierre 5.10 dit que Dieu vous rendra lui-même inébranlable. Philippiens 1, 6, Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé l'œuvre bonne en vous la rendra parfaite. Donc quand tu comprends ces vérités, ça t a à persévérer. Et c'est pourquoi, pourquoi l'Apocalypse parle, alors que les chrétiens sont persécutés, on parle de la persévérance des saints, de comprendre la prédestination, donne une assurance et nous réalimente notre persévérance. Mais c'est n'est pas tout. C'est important d'être équilibré. J'arrête pas de le répéter. Regarde ce qui vient ensuite. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Wow. L'Église ne demande pas, Seigneur, enlève la menace. Seigneur, règle le problème. Il dit, Seigneur, sois simplement attentif. Ils font tellement confiance à Dieu que si Dieu leur dit est attentif à leurs besoins, ça leur suffit. Et donne nous de l'argent. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Non. Sois attentif à leurs menaces et donne-nous la santé. Donne-nous le succès. Est-ce que c'est ça qui dit. Donne-nous la bénédiction. Est-ce que c'est est pas ça. Regarde. Regarde la prière. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne-nous à tes serviteurs. D'annoncer ta parole en toute assurance. Wow! Et tends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes et des prodiges. Pourquoi? Pour la mission? Pour que des gens viennent à Jésus? par le nom de ton saint serviteur Jésus. En fait, il ne demande pas à Dieu d'enlever l'opposition. Il leur dit, Seigneur, donne-nous de désobéir à l'opposition. <laughs> donne-nous de persévérer. Et la cinquième chose qui nous, qui nous fait persévérer, qui nous motive à persévérer, c'est qu'on a le peuple de Dieu. La prière, la parole de Dieu. La prédestination, tout ça nous aide à persévérer. Tout ça est un moteur, est une motivation. Tout ça nous rend persévérants. Puis on voit ici les perdus. Les perdus. Le chrétien ne dit pas Merci Seigneur parce que je suis prédestiné. Le chrétien dit Seigneur, tu as un plan pour ma vie et tu veux te servir de moi pour faire en sorte que plusieurs viennent à toi. Et c'est ce que l'Église fait. Alors qu'ils qu prient la prédestination, ils, sont, ils mettent un accent sur la mission. Les perdus nous motive à persévérer. C'est Spurgeon qui, qui dit la chose suivante. Si Dieu avait peint une bande, une bande jaune sur le dos des élus ou des prédestinés, je ferais le tour en soulevant des chemises. Mais puisqu'il ne l'a pas fait, je dois prêcher Quiconque veut venir à Jésus qu'il vienne. Et quand quiconque vient et croit, je sais qu'il est l'un des élus. Hein, Spurgeon, en fait, est en train de dire que oui, la prédestination, c'est une, une consolation pour le croyant, mais c'est une motivation en même temps parce qu'on sait que Dieu a un plan, puis Dieu veut en sauver beaucoup. puis On continue la mission. Et il y a des gens qui m'écoutent. En fait, il y a deux types de perdus qui écoutent cette prédication, possiblement. Vous voyez, il, y a des, il y a des chrétiens, mais il y a des gens qui m'écoutent. Tu ne te considères pas chrétien. Tu es perdu, puis tu ne le sais même pas. Et en passant, quand je parle des perdus, c'est pas péjoratif. Jésus a dit. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Moi, j'étais perdu, Jésus m'a trouvé, Jésus m'a sauvé. Donc, la Bible a dit que par nature, on est perdu, on est séparé de Dieu, on est esclave du péché, on est condamné à la mort. Dernièrement, mon épouse et moi, c'est mis au ski. Et, euh, derrière chez moi, à Terrebonne, il y, y a un boisé, quand même un, un gros boisé. Et euh, on y va, puis il y a une piste, puis. Euh, je le connais un peu parce que bon, j'ai déjà été courir là, j'ai fait du vélo, pis... euh, Mais évidemment, une piste de ski c'est une piste, alors que l'été, ben, tu as plusieurs pistes. Pis là, genre avec mon épouse, je me dis, fais-toi un pas, ça fait une boucle. On va revenir à notre point de départ. Donc, je te rappelle, c'est un petit, un petit boisé c'est pas très gros. Euh, on s'est perdu, on s'est perdu. C'est un peu gênant, là. C'est comme t'es un kilomètre carré, on est perdu dans le bois. À un moment donné, je regarde les cartes, je ne comprends pas. J'ai l'impression que je devrais être revenu sur mon chemin, puis, puis je ne comprends pas. Là, j'essaie de comprendre, puis voyons, je suis déjà venu. Puis, et, et là, c'est un peu insécurisant parce que je suis perdu, puis je ne sais même pas. Et là, je dis à ma femme, je dis, bien là, on va sortir, on va sortir, on va aller, on va, de, on va sortir du bois, il y a un boulevard, puis on va se retrouver, on ne doit, doit pas être loin, voyons. Ça fait une heure qu'on fait du ski, on ne doit pas être... Euh, tu sais, on, on doit être revenu presque à notre... de quoi qu'on ne comprend pas. Finalement, on sort avec nos skis, j'arrive, là, comme « Wow! Wow! Où suis-je? » Et là, je regarde avec mon, mon téléphone, puis je suis à une heure à pied de où je suis parti. Puis moi, je pense que je suis revenu. Et là, je suis obligé d'appeler un Uber, OK? Imagine. J'ai un petit boisé derrière ma maison, OK? Qui, qui se fait très rapidement. Je me perds dans le boisé, je me perds un point tel que je suis à l'autre bout complètement, puis je dois appeler un taxi pour ramener, me ramener à ma voiture. Ça a pris 20 minutes en voiture. C'est comme, incroyable. puis il y a des gens, ça c'est toi. Ça c'est toi. Tu es perdu et tu ne le sais pas. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Confie-toi en lui. Jésus est venu pour te sauver, pour sauver ce qui était perdu. Et c'est ça qui motivait l'Église à persévérer parce qu'ils disaient, oui, nous sommes sauvés, mais il y a une humanité qui a besoin d'être sauvée. Puis il y a un deuxième type de perdu qui m'écoute. Et ça, on l'entend pas souvent, mais la Bible en parle beaucoup. La Bible dit qu'il y a des chrétiens qui sont aveugles, qui ne voient pas, qui en fait ne sont pas vraiment des chrétiens. Il y a des gens qui se comportent en chrétiens, qui vont à l'église, qui prient, qui donnent leur dîme, qui sont impliqués, qui depuis des années, mais... Il n'y a pas eu de nouvelle naissance, il n'y a pas eu de, de repentance authentique, de foi authentique. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont vides. Ils se bernent sur eux-mêmes. Puis, je ne le dis pas pour te blesser, parce qu'une fausse sécurité, c'est la pire des choses. Puis, puis la Bible dit, dit à ces gens-là, puis Pierre va dire Efforcez-vous d'affermir votre élection. C'est bizarre. Si Dieu nous a élus, puis nous, on a souvent l'impression Je suis élu, bien. Un jour sauvé, toujours sauvé, c'est pas ça que la Bible enseigne? Pas du tout. Donc, Paul dit, si, si tu prétends que tu es élu, tu écoutes ce message, tu dis, non, moi, je suis prédestiné, ouais, ça c'est moi, je suis un enfant de Dieu, puis il dit, OK, mais affermis ta prédestination, affermis ta affermis ton élection, c'est-à-dire, est-ce que ta vie, le fruit de ta vie, c'est vraiment le fruit de la repentance? Est-ce que ta vie, tu marches dans l'obéissance? Est-ce que Jésus est vraiment le centre de ta vie? Est-ce que vraiment Jésus est ton plus grand trésor? C'est ce que pas dit. D'affirmer, c'est-à-dire valide. Tout le monde peut dire qu'il est prédestiné. Maintenant, ce n'est pas un débat théorique. Dans ta vie, Puis moi, je ne peux pas le dire sur ta vie, tu ne peux pas le dire sur ma vie, mais chacun doit s'évaluer et dire est-ce que je suis vraiment dans la foi? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Moi, là, une de mes plus grandes craintes, puis, puis je ne suis pas naïf, là, ça va arriver malheureusement. Je n'ai pas la prétention de croire que 100% des gens qui m'entendent sont sauvés. Puis malheureusement, il y a des gens qui sont dans des églises depuis des années, des... entendent l'Évangile, entendent l'Évangile ont les bonnes réponses. Ils savent quoi. Mais il n'y a pas eu de transformation de cœur. Une dame qui était voir un médecin parce qu'elle voyait mal. Et euh, le médecin a fait, a fait une évaluation, une analyse. Et on a découvert dans son œil, c'est dans le ce journal, là, je ne l'invente pas là, 27 verres de contact, 27 lentilles. La femme a un problème de vision, elle met une lentille, elle ne voit pas bien, fait elle rajoute une lentille, puis finalement les lentilles se, se tassent, puis finalement il y en a partout autour de son œil. Et là, elle fait juste ajouter, 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 mais plus qu'elle ajoute, plus qu'elle empire son problème. Et c'est le problème d'un chrétien qui n'est pas régénéré, plus qu'il ajoute de la Bible, de la prière, du ministère, qui ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute. En fait, tu n'as pas besoin d'ajouter des affaires, c'est que tu as besoin que Jésus enlève des choses, que Jésus enlève ta religion, que Jésus enlève ta fausse sécurité. C'est des gens qui m'écoutent qui sont en colère présentement, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe que le Saint-Esprit est en train de te révéler, que c'est peut-être de toi que je parle. Donc, pourquoi est-ce qu'on persévère? Parce qu'il y a des gens qui sont perdus. Puis pourquoi est-ce qu'on persévère aussi en tant qu'Église? Parce que même dans les Églises, il y a des gens qui sont perdus. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, ils ont besoin de recevoir la bonne nouvelle, ils ont besoin du miracle de la nouvelle naissance. Et si c'est ton cas, s'il y a quelque chose dans ton cœur qui. Ah! Mon ami, Jésus te tend la main, repends-toi, confie-toi en Jésus. Mais l'Église primitive, comme pour nous, les perdus nous motivent à persévérer. Et finalement, quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le lieu trembla. Je te ferai remarquer que ce n'est pas la prière qui fait trembler le lieu, c'est Dieu qui fait trembler le lieu. Et je te ferai remarquer que ça commence avec des chrétiens qui ont peur. Et ça se termine avec... Le Dieu qui fait trembler la terre et le Dieu qui nous fait cesser de trembler dans la prière. Le Dieu qui fait trembler la terre et le Dieu qui fait cesser les chrétiens de trembler dans la prière. Et lorsqu'on voit un tremblement comme ça, dans la parole de Dieu, ça s'appelle une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de la présence de Dieu. Quand Dieu a révélé les dix commandements, la montagne a tremblé pour dire que Dieu est présent. Lorsque Isaïe a une vision. Dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, elle est, elle est ébranlée. Pourquoi? Pour démontrer que Dieu est présent. Quand Jésus meurt et qu'un un tremblement de terre, il meurt à la croix, et un tremblement de terre, et que le voile est déchiré, pourquoi un tremblement de terre? Pour démontrer que Dieu est présent à la croix. Et pourquoi est-ce que le lieu tremble? Pour démontrer que Dieu est présent. Et je veux juste te dire, il y a des gens qui diront ah, mais moi, j'aimerais tellement ça que dans nos réunions de prière, que le lieu tremble. Je veux juste te dire que le plus important dans ce texte-là, c'est pas que le lieu a, trembli, a tremblé, c'est qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Parce que mon ami, peut-être que présentement dans ta maison, ça peut trembler, mais la secousse va arrêter. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça, ça va continuer. Un tremblement de terre ne te donne pas la grâce pour faire face aux difficultés, mais le Saint-Esprit te donne la force de persévérer dans les difficultés. Et c'est pourquoi tu dois arrêter de prier, Seigneur, donne-moi la paix. Mais ben voyons, Pasteur Guétan. L'Église primitive n'a pas prié de moi la paix. Vous savez, souvent on a des prières qu'on ne réalise pas, puis on dit Seigneur, donne-moi la paix. Mais la paix est toujours le produit de quelque chose. Quelqu'un a dit La paix n'est pas l'absence de troubles, mais la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que l'Église est dans la paix? C'est parce que Dieu est présent avec elle. Un jour, il y a eu un grand concours pour... Euh, Déterminer la, plus, la peinture qui révélait mieux la paix. C'est quoi la paix? Et il y a eu plusieurs peintures qui ont, été, qui ont été faites, qui ont été présentées, des chefs-d'œuvre. Et euh, le jour, le jury en a retenu deux. La première, on a enlevé, on a enlevé le drop. C'est une peinture magnifique d'un lac, calme, 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 comme un miroir. Paisible, 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 aucune ondulation. Lisse, 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 lisse. Et le jury a dit, voici la deuxième position. Puis là, les gens se sont dit, ben voyons, c'est comme, tu peux pas avoir plus pi que ça. L'autre tableau, tu des nuages gris, tu des éclairs, et là, tu as, as une chute, puis là, tu as, as des remous, et là, c'est comme, c'est tout ténébreux, puis il y a du noir partout, puis là, ça brasse, puis tu vois le vent, puis tu vois les, les arbres, c'est comme, il y a une tempête, c'est comme, oh, hein, les éclairs, le tonnerre, là, que... Voyons où est la paix là-dedans. C'est le contraire de la paix. Mais quand tu regardes attentivement la, la peinture, tu vois que dans le creux de la chute, il y a une petite branche. Dans la petite branche, il y a un petit nid, puis un oiseau qui dort. Ça, c'est la paix. La paix n'est pas l'absence de troubles. La paix est la présence de Dieu. Et mon ami, une des raisons pourquoi je persévère depuis 25 ans, je viens de le prêcher. Un des éléments les plus significatifs, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Quand Jésus nous sauve, il met son Saint-Esprit. Non seulement Dieu est avec nous, il est en nous. Et les premiers chrétiens avaient ce sentiment de la présence, cette conscience de la présence de Dieu. Mon ami, quand tu dors, Dieu est présent. Lui il ne dort pas. Quand tu te réveilles la nuit, avec cette boule d'anxiété, Dieu est là, Dieu est présent. Quand tu te lèves le matin, Dieu est là. Quand tu, tu ouvres ta Bible à 6 heures dans un... l'hiver québécois à moins 30, Dieu est avec toi. Lorsque tu vas à tes occupations, Dieu est avec toi. Dans la circulation, dans le trafic, Dieu est avec toi. Alors que peut-être tu travailles à la maison, en télétravail... Tu as l'impression d'être seul. Dieu est avec toi. Tu vas à l'épicerie, Dieu est avec toi. Alors que tu as des défis avec tes enfants, Dieu est avec toi. Des tensions dans ton couple, Dieu est avec toi. Alors que tu t'assois dans le bureau du médecin pour avoir ton diagnostic, passer tes examens, Dieu est avec toi. Alors que tu as un rendez-vous, tu vas voir le banquier, puis c'est serré, puis le crédit ne va pas passer, il va passer, puis Dieu est avec toi. Mon ami, je prie que tu réalises comment Dieu est avec toi. Et quand on réalise que Dieu est avec nous, on est prêt à persévérer devant n'importe quoi. C'est la grâce que je te souhaite. La paix, ce n'est pas l'absence de troubles, c'est la présence de Dieu. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui entend ce message. Je prie premièrement pour des gens qui, qui ont besoin de venir à toi, de passer de la lumière dans les ténèbres. Il y a des gens qui sont tombés sur ce message, cette prédication, par hasard, entre guillemets. Non, tu l'avais prédestiné, tu as un plan. Seigneur, je prie maintenant, alors que Jésus t'est venu mourir à la croix pour nous, pour nous offrir le pardon, une nouvelle identité, la vie éternelle, je prie que quiconque entend cette prédication, qui est séparé de toi, qui réalise une conviction dans son cœur, qu'il est perdu, se confie en toi. Je prie également pour des gens qui se disent chrétiens, et je te prie que tu donnes nous donnes l'humilité de s'évaluer nous-mêmes. Non pas pour marcher dans la crainte, continuellement, est-ce que je suis sauvé, je ne suis pas sauvé, si ce n'est pas le but, mais juste de dire, est-ce que vraiment je suis un chrétien authentique? Est-ce que je suis vraiment, véritablement né de nouveau? Est-ce qu'il y a le fruit de la repentance dans ma vie? Est-ce que les gens autour de moi voient le fruit de la repentance dans ma vie? Et Seigneur, je prie que tu nous donnes une conscience de ta présence cette année 2023, alors que tu es avec nous, Seigneur, donne-nous une conscience que ta présence soit palpable. Donne-nous d'expérimenter ta présence, pas au niveau de nos émotions, comment Dieu est là, puis avoir le petit frisson, mais cette conviction que tu marches avec nous. Et que si tu marches avec nous, Seigneur, nous passerons au travers les ténèbres, nous passerons au travers le feu, nous passerons au travers les eaux, à travers l'épreuve, mais peu importe parce que tu es avec nous. Donc te rendons grâce. Te rendons grâce Seigneur pour ta présence dans nos vies. Donc rends-nous persévérants. Que tous ceux qui entendent cette prédication rends-nous persévérants. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Rends-nous persévérants par ta grâce dans le beau nom de Jésus. Amen. J'espère que Dieu vous a fait du bien, vous a rencontré à travers ce message-là, que vous avez été béni, encouragé. Euh, si vous avez entendu ces vérités sur la vie, sur Dieu, pour la première fois, et que vous seriez intéressé avide d'en savoir un peu plus, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Écrivez-nous à, à portail.com et on va vous contacter dans les plus brefs délais. Cette invitation à nous écrire aussi est valable pour vous qui souffrez ou qui avez des défis ou des requêtes de prière. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec vous. En terminant, laissez-moi vous remercier également pour votre soutien précieux dans l'œuvre du Seigneur qu'on accomplit ici au portail. Un peu comme les premiers apôtres, notre but est que la bonne nouvelle fasse du chemin dans les quartiers, mais aussi dans les cœurs, dans les familles, dans les foyers. Donc si vous aimez notre mission et vous aimeriez contribuer de façon concrète, vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement via votre institution bancaire ou en nous écrivant à don au pluriel à commercial église de portail.com. Sur ce, on se dit à bientôt, bon dimanche, à la prochaine.